Le Rwanda accepte aujourd'hui de recevoir les éliminatoires de la FroBasket 2021. La RCA devait aller au Madagascar et en Tunisie, mais voilà, il y a une possibilité aujourd'hui d'aller rester au Rwanda et compétir. Quelle est votre réaction? D'abord, c'est une très bonne chose pour nous parce que le Rwanda, c'est juste à côté et le déplacement sera, voilà, à moindre frais. Mais ce que je voudrais dire, la Fédération Centrafricaine de Basket, qui est en charge de faire réunir notre basket, à ma connaissance, le mandat actuel du bureau termine le 9 octobre. Nous sommes appelés à aller compétir dans le mois de novembre, vers mi ou fin novembre. Ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait que la Fédération de football s'organise à ce qu'il y ait leur assemblée générale élective ce jour pour que tout le monde se sente bien et que nous allons vers une réussite de notre équipe nationale à Kigali. C'est ce que je voudrais dire. Donc, j'interpelle la fédération. Il y a une autre qui est en train de se préparer pour cette fédération pour que très rapidement elle s'organise pour que à cette date, il y ait leur assemblée générale élective. Faute de quoi, le département prendra ses responsabilités. Parce que nous ne voulons pas nous rendre à Kigali avec un bureau dont le mandat est expiré où tout va se reposer sur des négociations entre copains que je n'accepterai pas. Notre basket doit renaître. Voilà ce que je peux dire dessus. Monsieur le ministre, merci. Je vous remercie.